C'est vert, un peu. Il y a des verts différents. Ça? C'est vert. Ça? C'est bleu. Où est le rouge? Tu trouves pas le rouge? Là. C'est ça le rouge? Clairement. Si tu tenais le crayon comme il faut, tu vois, comme ça, tu peux faire ça. Ça va plus vite. Là, c'est vert. Comment? Là, c'est vert. Moi, j'ai fait vert. Là? Là, ça doit être jaune. Là, c'est un citron. Tu sais ce que c'est que le citron? T'en as mangé déjà? On en a là-haut des citrons. Voilà, on a fait le faire entièrement jaune, partout. Là. C'est pas colorié bien, hein, ça. C'est pas colorié. Tu sais, on peut mettre le doigt pour pas dépasser. Je t'avais appris. Tu vois, moi, quand j'ai fait le petit fille, on faisait comme ça. On met le doigt, on fait. Comme ça. Si tu mets là, ça va trop loin. Tu mets là. Et le crayon s'arrête à ton ongle. Et tu peux tout colorier comme ça. Tu apprendras quand tu seras plus grand. C'est trop difficile peut-être pour Martin. Je mets le doigt là. Pour pas que ça dépasse. Voilà. Comme ça, ça dépasse pas. Voilà. Tu vois? T'as compris? Une petite mouche. Une petite mouche. Rien. Une petite mouche. Voilà, parfait. Et là, le citron là. Oh, on a très bien colorié ce citron. Il est presque tout jaune. Là, encore. Alors là, on met le doigt. Passe encore un peu là. On a dépassé là. Il faudra prendre une gomme pour enlever ce qui est dépassé. Là, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Là. Et le petit poussin aussi, il faut le faire pareil sans dépasser. Il faut aller doucement, quoi. Je veux faire. Hein? Je veux faire ça. Ah, bah non, c'est tout. Moi, c'est toi qui le fais. Toi qui le fais. Allez, c'est Martin? Non. Ben alors on arrête. C'est pour toi ça. Tu apprends comme ça. Alors ensuite, on continuera un autre jour.